Bonsoir à tout le monde. Ce soir, formation en trading actif, range breakout. Range breakout, ici, c'est le nom en fait d'un signal. C'est le dixième signal qui est dans la plateforme. Et ce qu'on va faire, c'est on va expliquer ce que c'est comme signal, l'intérêt du signal, et puis on va raisonner un petit peu stratégie, et je vous montrerai une façon d'exploiter ce signal. Alors, la structure de la présentation, une petite introduction, on parle du signal et ensuite on enchaîne directement avec une stratégie. Alors j'ai mis scalping parce qu'en fait ce signal, bien qu'on puisse l'exploiter dans, je dirais, avec différentes agrégations, il est relativement bien approprié pour le scalping. Ça permet d'offrir une solution à des clients qui veulent trader plutôt en scalping. Et l'exemple que je fournirai, il sera sur le CAC futur, 4 minutes, agrégation 4 minutes. Comme d'habitude, je ferai ma petite promotion un petit peu du trading en mode automatique, parce que je le pratique, j'aime ça, je trouve que c'est très, très intéressant comme forme de trading. Et puis, on passera sur les conditions. Alors, une petite information pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos présentations, ils le savent probablement, mais c'est intéressant de le notifier quand même à ceux qui ne sont pas au courant. Mais notre société a été récompensée en Allemagne par un trois trophées qui ont consacré notre société dans trois domaines, le meilleur service, la meilleure plateforme et le meilleur contenu éducatif. Ce résultat, en fait, il provient des votes de 15 000 traders allemands, donc l'équivalent de vous autres, mais en Allemagne. Et la société qui organise cette enquête, c'est Investment Trend. Et donc, c'est intéressant de noter ça. Meilleur service, meilleure plateforme, donc la plateforme NanoTrader. Et puis meilleur contenu éducatif, quoi. Les traders allemands, ce sont des gens très exigeants, c'est comme les traders français. C'est des gens très éduqués, très exigeants, etc. C'est une preuve on va dire, de la qualité de ce que nous faisons et il n'y a pas de raison de le cacher. Alors, le signal, voilà une photo ou une image qui représente ce signal. Alors je vais le décrire. La première chose à savoir, c'est que ce signal, en fait, qui représente en fait un range horizontal, comme on le voit par les lignes horizontales qui définissent le haut et le bas, c'est en fait un signal qui scrute à l'intérieur de son algorithme, qui scrute la présence ou le statut des tendances. Donc, quand vous regardez le mouvement précédent, vous voyez que on a une tendance haussière caractéristique que l'on peut définir par exemple par la propriété suivante, c'est-à-dire le prix bas ne fait que monter. Vous voyez, le prix bas monte et monte et monte, 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 descend, monte, descend, ah, et là il descend en fait plus bas que le plus bas précédent. En fait, la tendance est arrêtée et il y a deux possibilités quand une tendance s'arrête. Soit on a directement un renversement de tendance, c'est-à-dire une bougie rouge ici qui serait très grande, qui nous amène dans cette région-là, auquel cas, clairement, c'est un retournement de tendance puissant. Ou alors, on est juste un petit peu à la marge et on sent une résistance, un manque de puissance, on fait un plus bas qui est plus bas que le précédent plus bas, mais ça reste quand même assez modéré. Et dans ce cas précis, le signal déclenche alors ce qu'on appelle un range breakout, quoi, un range horizontal. Alors on sait en fait la présence du range là, au niveau de cette bougie, au niveau du plus bas. Alors lorsque ça se produit, la phase précédente qui
montre en fait le point haut atteint précédemment et ce point bas, cette zone-là, représentée par ce rectangle, devient grisée. Ça nous montre en fait la phase précédant la détection du range. Et les lignes sont vertes. Pourquoi? Parce que le mouvement était haussier précédemment. Les lignes sont fines. Le fond d'écran est gris, c'est la phase préliminaire. On ne la connaît que à cette bougie. On ne peut pas la prédire avant. Elle n'intervient que à la bougie rouge ici. Ensuite, ce qui se passe, c'est que à partir de ce moment-là, on dessine une ligne plus foncée sur la même base que la ligne fine. Et cette ligne plus foncée, elle garde la couleur verte et le fond d'écran devient vert, ce qui est assez joli, je dois dire. Et ce qui va donner lieu alors à un signal, ça va être la clôture en dehors de cette zone délimitée par les lignes horizontales grasses, épaisses. Donc ici, signal. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Une montée, on part latéralement, ça casse vers le haut et on est parti. Et après, il faut voir ce qui se passe. Mais grosso modo, ça, c'est le signal. On voit tout de suite que le signal, il peut aller vers le bas ou vers le haut. Et ce signal, ça s'adapte à tout. Ça s'adapte aussi, par exemple, à des graphiques qui ne sont pas basés sur des minutes, mais plutôt basés sur des ticks, des paquets de ticks, des niveaux de prix, on va dire, des range bars, comme on appelle ça, comme fait Wim Levens, vous voyez, des Renko, des choses comme ça. Ça s'applique à tout. Et ça s'applique sur n'importe quelle agrégation. C'est très sympathique comme type de signal. Alors, voyons un petit peu plus loin avant que je montre littéralement le signal sur la plateforme. Mais voyez ici, au niveau du paramétrage, en fait, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 paramètres. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 qui sont très bien connus par tout le monde. Tous les gens qui connaissent un petit peu nos signaux, ils ont ces paramètres. Start time, donc le début de la plage dans laquelle on veut faire figurer ces signaux. Si on veut que ce soit de 9h à midi, on va taper 900 pour 9h et puis 12h, 11h59 pour midi. En dessous, message. Donc, est-ce qu'on veut un message visuel? Est-ce qu'on veut un message sonore? Est-ce qu'on veut un message par email? Et puis en haut, signal, il y a trois possibilités. C'est-à-dire, on peut dire, je vais dans le sens du marché. Donc, type de signal, ça va être que ceux orientés avec la tendance initiale. Ou alors, que ceux opposés à la tendance, si on veut par exemple que on monte. Et nous, on veut que rentrer si le marché baisse. Dans ce cas, on dira ceux opposés à la tendance. Donc, on a ce choix, ou alors on peut dire tous, c'est-à-dire ici, whatever the trend, ça veut dire tous, ça veut dire quelle que soit la direction de la sortie, on la prend. Et vous voyez ici que lorsqu'on est en phase haussière, les signaux sont verts. Et puis, quand on est en phase baissière, les signaux sont rouges. Pourquoi? Parce que le signal est précédé d'un mouvement baissier. Et vous voyez très bien sur cet exemple l'intérêt on va dire, du signal. Et vous voyez ici en plus gros le dessin un petit peu plus fin, qui est, je dois dire, assez joli, quoi. Alors, je vais vous montrer sur la plateforme qu'est-ce que ça donne. Donc, je prends la plateforme. Voilà. Alors, elle est vide. Moi, j'aime bien réduire la taille, vous voyez, de la barre du haut. Donc je fais voilà, ça c'est pour montrer des grandes touches et moi je fais comme ça pour montrer des petites touches. Je suis ici sur ma page est vide. J'appuie sur ce petit bouton, je ramène ici le bordereau et je fais cac et je fais cac. Avec un clic droit, modèle d'étude, je m'intéresse aux signaux. À l'intérieur des signaux, il y a différents signaux, il y en a 10, et moi je cherche Range Breakout. Range Breakout arrive, et
Je l'affiche sur la totalité. Ça, je n'ai pas besoin. Je ferme. Et je vais ouvrir l'intérieur. Ça, je n'ai pas besoin. Ça et ça, j'en ai pas besoin pour le moment. J'ai mon signal ici. Donc vous reconnaissez ce dont je parlais avant, c'est-à-dire le choix. Est-ce que je veux être avec la tendance? Quelles que soient les tendances initiales, est-ce que c'était vert ou rouge? Je ne tiens pas compte de cela. À partir du moment où il y a un signal, je le prends. Ou que avec la tendance ou contre la tendance. Pour le reste, ça c'est les heures. Donc si je dis par exemple, si je prends la journée d'aujourd'hui, ça c'est la journée d'aujourd'hui. Si je dis par exemple, je ne veux que le matin. Donc que le matin, ça veut dire par exemple que de 8h à, j'avais dit quoi, 11h59. Donc, on n'a que ce qui se passait le matin. Donc, de cette manière-là, on arrive à nettoyer. Donc, en fait, ça, c'était la journée d'hier, excusez-moi. Et la journée d'aujourd'hui, c'est ici. Donc, je ne veux que me limiter à ce qui s'est passé le matin. Ben, j'utilise cette technique, quoi. Ce réglage. Alors, maintenant, nous, on s'intéresse à du 1 minute, donc je vais mettre du 1 minute. Tu mets du 1 minute et je me mets sur 1 minute. Donc vous voyez, sur 1 minute, voilà. Par exemple, ça c'était un beau signal. Celui-ci, il était aussi beau. Hein? Celui-ci, ce signal-ci, il est au bout d'un mouvement baissier, un petit rebond, et puis hop, ça casse ici. C'est un signal. Si maintenant on se basait ici, on mettait notre stop ici, grosso modo, voilà, donc si on se basait, on se positionnait là, ça serait un beau signal. Ça, c'était aussi un beau signal. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt de ce type de signal. On est sur 1 minute. C'est un signal qui nous offre des opportunités. C'est basé sur le concept d'une reconnaissance de range, une sortie de range. Donc ici, on a un mouvement qui part d'en bas, qui monte jusqu'en haut. Et le signal, celui-ci, c'est comme un signal de continu, de continuation, un signal de prolongation de tendance. On a la tendance, on a un mouvement ici, je dirais, ici, un petit peu de stagnation. Et puis hop, on sort d'ici et on a une belle opportunité. Donc, tout simplement, ce signal, il faut le voir tout simplement d'un point de vue je dirais, une opportunité pour entrer sur ce type d'un petit peu de configuration. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est, on reprend juste un petit peu la présentation, on va juste voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'autre. Bon, je passe sur cette page. Ça explique justement comment on charge en fait l'étude ou le signal. Il y a trois manières de faire. Il suffit tout simplement de suivre les instructions de façon très rigoureuse. Moi, ce que je vous ai montré, c'est l'option numéro 1, c'est-à-dire je pars avec un écran qui est vide, je choisis un instrument et je lui applique le signal directement. Après, je modifie l'agrégation, etc. Si je veux modifier on va dire, le nom de l'étude, je vais là, je l'appelle par exemple PH1, voilà, etc. Alors maintenant, stratégie. Alors, réfléchissons maintenant stratégie. Le but ici, c'est, on essaie d'exploiter un signal. Un signal, c'est comme un outil, c'est comme un hameçon pour un pêcheur, c'est comme un piège pour un chasseur qui voudrait, bon, qui voudrait attraper du gibier, ou une arme pour, on va dire, un autre type de chasseur. Donc, comment utiliser cet outil? Ça, c'est la question. Alors, je vais vous montrer une façon de faire. Elle est basée sur mon expérience personnelle dans le trading automatique avec ce type de signal. Et je ne vais pas vous montrer mon système à moi, mais je vais vous montrer le type d'approche et le type de réflexion. Comment s'y prendre? Quel type d'idée faut-il appliquer? Donc,
Le type d'idée, c'est basé sur l'expérience personnelle. Donc, voyons un petit peu qu'est-ce que j'ai prévu. Alors, élément d'une stratégie de scalping. Donc, comme on le voit un petit peu dans l'écran, sur l'écran ici, dans l'image, qui est très caractéristique, on cherche à exploiter la volatilité un petit peu du marché, sa capacité à rebondir, comme dans ce genre de situation, ou comme on l'a vu précédemment, sa capacité à prolonger une tendance existante. Alors, l'idée pour la stratégie, c'est de dire, par principe, on va commencer avec des unités de temps petites, des agrégations petites, et ce qu'on va faire, c'est on va chercher à travailler dans les heures les plus volatiles de la journée. Alors, les gens qui sont expérimentés, ils connaissent les heures les plus volatiles de la journée. Les gens qui ne sont pas expérimentés, ils peuvent prendre un graphique horaire par exemple. Ils peuvent afficher un ATR, l'indicateur ATR. Et puis, ils affichent suffisamment de jours et puis ils vont regarder un petit peu au cours d'une journée, c'est quoi les heures dans lesquelles l'ATR est le plus grand, grosso modo, quoi. Mais pour un CAC, c'est clairement le matin. C'est plus volatile le matin que l'après-midi. Et donc, nous, on va se dire, on va essayer de travailler le matin. Donc, on s'imagine, d'un point de vue pratique, que ce soit en automatique ou à la main, on se dit, ben, nous, on a envie de consacrer, par exemple, de 9h jusqu'à midi, on fait notre trading basé sur scalping basé sur range breakout. Alors, l'une minute, pourquoi le une minute? Parce que le une minute, on a la possibilité donc d'avoir des, je dirais, si je prends les futurs, par exemple, j'ai 10 ans d'historique de une minute. Donc, je peux vraiment backtester un système. Si j'ai les CFD, je vais expliquer, je reviens là-dessus, sur l'histoire de l'historique, dans quelques minutes. Ici, l'entrée en position, je vais dire, quelle que soit la tendance initiale, je rentre en position. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas où le marché, en début de journée, démarre par exemple dans une direction, mais il y a aussi beaucoup de cas où il fait un rebond. Il a un petit peu baissé, il rebondit, il remonte, paf, il y a une opportunité, quoi. Donc nous, on va dire, on prend le range breakout et on le règle sur quelle que soit la tendance initiale. Et puis, on va utiliser les instruments suivants pour la sortie de position. Un stop, un objectif, un filtre flat et en fait, encore un autre instrument. Voyons ça ici. Alors, regardez. Ici, on a en fait une image de du réglage que nous devons faire dans notre plateforme. Donc, on utilise pour ça les stars. On est en période de championnat d'Europe de football. On ne peut pas avoir une bonne équipe s'il n'y a pas quelques très bons joueurs. Appelons ça des stars. Et ben dans la nano, c'est la même chose. On ne peut pas avoir une bonne stratégie si on n'utilise pas des bons éléments. Or, la nano, elle est bourrée d'éléments comme ça. Donc, le premier élément, c'est le signal lui-même. Star numéro 1, le signal que l'on positionne ici. On va le faire tout de suite dans la plateforme en réel. La star numéro 2, c'est le time stop. Ce stop, c'est en fait une sorte de bloqueur de sortie. Appelons ça comme une bloqueur de sortie, c'est un peu compliqué. C'est plus facile d'appeler ça un stop temporel. Mais grosso modo, on définit le nombre de bougies. Nombre de bougies avant que l'on sorte de position. Donc si on dit 5 bougies, ben ça reste 5 bougies. Si on dit 10, ça reste 10 bougies. Après 10 bougies, on sort de position. Vous allez tout de suite comprendre à quoi ça sert. Le stop, période high-low, ça c'est un stop suiveur que moi j'aime bien, basé sur le plus bas des 10 dernières bougies ou le plus haut des 10 dernières bougies. Bien sûr, on peut régler le nombre de bougies. Et puis le filtre flat, ça c'est on ne veut rien garder en fin de journée. Et pour rappel, demain, Brexit, ne gardez rien en fin de journée. Clôturer toutes vos positions. Et ça nous permet de clôturer toutes nos positions. Alors maintenant, je prends notre graphique. Donc, on a dit, alors nous, alors on va charger
ce qu'on a dit qu'on allait charger, c'est-à-dire... Alors, si vous me permettez, je ne vais pas charger directement le period high-low. Je vais d'abord charger un truc encore plus simple, un stop fixe. Donc, je charge un stop fixe. Et puis, je mets un profit target, c'est-à-dire un objectif fixe. Voilà. Le time stop. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Un filtre flat de fin de journée qui va nous permettre aussi de mieux délimiter les journées sur notre graphique. Flat. Dans le graphique principal, flat. Je ferme maintenant. Et le flat, il faut que je l'active. Donc on va dire clôture à allez, 21h45. Voilà. Et je vais l'activer. Tac. À partir du moment où je l'active, on voit clairement maintenant cette petite bande qui est matérialisée en bleu clair ou une sorte de bleu violet. Donc j'ai mon flat, j'ai mon time stop et fixed stop et profit target. Donc ça c'est la base en fait de ma stratégie. Alors ce que l'on va faire c'est, je déplace justement mon écran à droite. Ça, c'est juste une page sur le filtre flat. Donc, je vous laisse le regarder. On arrive sur le détail un peu de la stratégie. Alors, voilà, on va régler notre stratégie exactement comme sur cette copie d'écran que vous pouvez, que je vous enverrai demain par email. Et on va afficher les outils pour se mettre un petit peu en mode de backtest. D'accord? Alors, par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent, regardez, 30, 30, ça c'est des ticks. Donc on est sur des futurs, on n'est pas sur des CFD, donc des futurs. Le marché traite tous les 0,5. Donc un tick c'est 0,5, 30 ticks c'est 15 points. Donc on a mis ça par défaut. On a le time stop de 10 comme ici. On a le range, whatever the trend, c'est-à-dire quel que soit la tendance initiale, on prend le signal. On a le temps ici, 800, 11h59. Donc là, on a mis quoi? On a mis 8h35. Enfin, ça, on va le voir après, hein. 11h59, ok, laissons ça comme ça. Et que j'explique. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut se mettre un petit peu en mode de backtest. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va afficher le graphique de performance ici. Voilà. Donc vous voyez en dessous du coup apparaître une sorte de petit graphique. Je vais le mettre ici. Je le glisse. Voilà. Je mets ça en bas. Donc ça, on a un petit graphique. Et puis en haut, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous voyez ce bouton-là. On appuie dessus. On a cette zone qui apparaît. On fait évaluation, maintenant on est en mode évaluation. On peut pousser ça un petit peu si on veut pour faire un peu plus de place. On redescend. Et alors, très important, ici vous avez des icônes qu'il faut sélectionner. En l'occurrence, ça et ça, tout simplement pour afficher deux choses. Hein. Ça permet d'afficher les signaux. Vous voyez là, on voit le signal et on voit la fin du signal. Tout simplement, c'est les petits triangles. Et puis ça, ici, c'est une question de stop. Donc, quand je l'ôte, on ne voit pas le stop. Et quand je le rajoute, on voit le stop. Le stop, c'est le haut, le bas. C'est le stop ici, mais c'est aussi l'objectif, ce qu'on a appelé profit target. Donc, voilà ce qu'on a fait sur ce graphique. Alors, la seule différence avec ce graphique maintenant, avec le nôtre, c'est que... Vous voyez en haut, il y a 4 minutes et nous on est sur 1 minute. Donc on ne va pas tout de suite bouger de minute, mais maintenant on va se positionner et on va un petit peu réfléchir et je vais vous montrer justement parmi les autres stars de la nano un type de réglage très important. Alors ici, un double clic sur le bas me permet de charger un peu toutes les données ou d'afficher les données chargées. Alors ici, n'oubliez pas que nous sommes limités par
ici on va dire les heures. Donc si je mets maintenant par exemple 23h59, ça veut dire que dans ce cas j'ai toute la journée. Donc je suis sur une minute, j'ai toute la journée, et observer la chose suivante dans le cadre ici. Je rentre et vous voyez, je sors en fait après 10 bougies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc avec celle qui sort, celle-là c'est la numéro 1, etc. 10 bougies. Donc en fait là, on n'est pas sorti basé sur l'objectif, on est sorti basé sur le nombre de bougies à la suite de l'objectif. Alors, nous, ce qu'on se dit, c'est on a envie de chercher un petit système qui nous permette un peu de travailler sur du court terme, la minute, ou un multiple de la minute, et on veut se limiter au matin. Donc, on va quand même mettre ici au niveau de la période de l'arrêt, on va dire de toute cette période, on va mettre quand même, par exemple, allez, on va mettre 11h59, 8h, 11h59, ça limite le nombre de trades, hein. On n'a plus que 30 trades, on le voit ici en haut à droite, alors que quand on avait 23, on avait 99 trades. Oui. Donc, bon, la première chose, c'est que on est quand même avec un marché qui bouge quand même un petit peu, hein. Et de ce fait, bah, le marché fait beaucoup de, oui, il fait des allées et venues, il rebondit, alors quand il part latéralement, si on essaie de se poser la question de la valeur qui est apportée par le signal en question, on voit très bien ici que bon, là, il y a un peu un mouvement un peu fou, mais au bout du compte, le marché stagne. Pardon, je ne sais pas pourquoi ce truc bouge. Le marché stagne un petit peu. Hop, on sort. Voilà un trade. Alors, ce n'est pas un trade gigantesque, hein. Je sors ici. On parle de 4300 à peu près, ou un petit peu moins. 4300 et quelques, on va dire, points. Et on arrive ici, une sortie vers 4295, c'est-à-dire en gros, allez, on va dire 7-8 points, c'est rien du tout, hein. Donc je ne dis pas qu'il faut maintenant se lancer à faire un trading ultra intensif, mais j'essaie de montrer ici qu'il y a une sorte d'intérêt à utiliser ce signal, tout simplement parce que ce signal est souvent positionné sur des points extrêmes et il nous donne des bonnes opportunités, quoi. Alors, nous, on va un peu suivre ce qui avait été recommandé, mais avant, je voudrais vous montrer une petite chose. Un élément très important dans ces stratégies, c'est en fait le temps, la période. Alors, une façon de faire pour trouver une bonne période, c'est de dire, je prends par exemple le temps de début de période. Je sais qu'au minimum, de toute façon, ça commence par 800. Je vais me positionner sur, par exemple, 8h30. Et je vais dire, et je vais mettre par exemple 8h59. Et je vais dire, ou alors on va mettre, attendez, on va mettre plutôt, on va mettre 9h29. 9h29, et on va dire, qu'est-ce qui est le mieux pour, en termes de timing, de temps? Et on va utiliser la fonctionnalité qui est une star de la nano, qui s'appelle la sensibilité du paramètre. Donc la bonne façon de faire, c'est ce que j'ai fait. On précise la valeur minimale, la valeur maximum, maximum, maximale. Ici, faites attention, 929 moins 800, la machine ne raisonne pas en termes de, on va dire de temps, elle raisonne en termes de numérique, c'est-à-dire elle va faire 129 calculs, quoi. Donc, on va lui demander de faire 129 calculs et on va lui demander de nous donner le résultat si on faisait varier le temps de début. Alors qu'est-ce que ça a l'air d'indiquer? Ça a l'air d'indiquer que, en tout cas sur cette courte période, il vaut mieux avoir notre réglage basé sur 8 heures que par exemple sur 9h30. On voit que ça baisse. Alors attention, on est sur 5 jours, dont un week-end, donc on n'est pas sur beaucoup de jours.
Donc, ça, ce n'est pas très, ça veut rien dire du tout. Mais je vous montre comment on fait. Maintenant, moi, j'ai fait le calcul en me basant sur une période un peu plus longue, qui était, en l'occurrence, je crois, j'avais pris peut-être une centaine de jours. Alors, sur 100 jours, vous voyez, l'equity curve est pas terrible, on va dire. Le rouge, ça symbolise tous les signaux. On a 1933 signaux, 900 gagnants, 1000 perdants. Et j'avais fait en fait l'analyse sensitive et j'ai pris une copie d'écran. Et je vous ai montré en fait, je vous montre en fait le résultat sur. En fait, je l'avais lancé sur la journée pour ce qui concernait la clôture de la période. C'est-à-dire ce qui ici est. Là, on a mis 23h59. Mais en fait, ce que ça dit, c'est qu'il vaut mieux traiter sur une période qui s'arrêterait vers ouais, 13h15, c'est là, 13h aux alentours de 13h. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que entre 10h du matin et 13h, on a tout avantage en fait à retarder l'heure limite de la période de trading. Chaque 5 minutes de plus crée une certaine quantité d'euros en plus. Ouais. Clairement, là, dans cette phase-là, on est vraiment dans une phase haussière. Donc, ça ne sert à rien de restreindre trop la plage horaire. Il vaut mieux un petit peu l'élargir ou l'allonger. Donc, ça, c'est le genre de travail que moi, d'analyse que je fais et que j'utilise pour calibrer mes stratégies pour du trading automatique. C'est exactement le genre d'outil. Ça, c'est l'outil que j'utilise pratiquement le plus. L'analyse sensitive. Je déplace mon truc. Alors, je vais un petit peu maintenant faire quelques réglages. Donc, alors, parmi les réglages qui sont importants, il y a aussi le réglage de l'agrégation. C'est-à-dire, quand on monte vers le haut, là on est sur du 1 minute, mais on peut faire du 2, 3, 4, 10 minutes. Ça reste sur une échelle relativement petite. Alors, faisons la chose suivante. Je vais me mettre ici sur. Je vais me mettre ici sur le fameux 11h59 ou 12h59 même. Voilà. Alors, ça réduit le nombre de trades. Et je vais un peu faire varier un petit peu les minutes. Je me mets un peu sur 2 minutes. Donc, ça réduit encore de moitié le nombre de trades. 3 minutes. 4 minutes. Donc, ça, c'est un petit peu 4 minutes. Alors, moi, en fait, j'avais fait le test sur. Combien de jours? Alors, quand on rajoute des jours, notre évaluation, elle reste en fait sur la période étudiée. Donc, si on veut étendre la période étudiée à l'ensemble de l'échantillon, on va dire, de prix, on va sur le bas et on appuie sur le bouton Laisser la période d'évaluation couvrir toutes les données chargées. Oui. Ah, et là, on voit quand même une sorte de belle petite courbe. Ça veut dire quoi? Alors, pas de panique. Ça veut dire que statistiquement, nos signaux produisent, avec la stratégie telle qu'elle est conçue, ils produisent en fait on va dire des résultats plutôt positifs que négatifs. Pour être précis, ils produisent, on le voit ici, en gros, un trade sur deux gagnant, un trade sur deux perdant, mais un gain moyen sur perte moyenne de 1,22. Donc c'est comme si on gagnait, je sais pas moi, 12 euros. Et puis on perdait 10 euros. Mais comme on fait ça, on a autant de pertes que de gains. Et ben, à force, sur chaque paire de trades, on gagne chaque fois 2 euros. Et donc ça se cumule et c'est ça qui fait le gain. Donc ça, c'est ce qu'on cherche en fait lorsqu'on fait par exemple du trading un peu automatique. On veut une sorte de régularité, sachant que
on peut pas trouver des trucs trop parfaits non plus qui sont uniquement montants. Il y a aussi des périodes de, ouais, un petit peu de perte, donc il faut un petit peu calibrer les choses. Mais on voit qu'il y a de la valeur clairement dans cette stratégie. Et là, on a vraiment fait des choses très simples. Alors, ce qu'on peut faire aussi qui est intéressant, c'est on peut chercher une sorte d'optimum pour notre time stop ici. Alors, au lieu de le faire varier jusqu'à 200, je vais dire par exemple 50. Donc, je dis quel est le nombre de bougies optimales pour en tout cas notre échantillon? Sensibilité du paramètre. Alors, il nous donne un résultat relativement rapide. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi ici une forme d'optimum. Donc, dans la phase initiale, clairement, il faut bien apprendre à interpréter une telle courbe. Dans la phase initiale, chaque fois qu'on rajoute une bougie de plus, le résultat monte. C'est-à-dire que notre signal est très bon. Parce que à la sortie du signal, plus on s'éloigne de l'entrée en position, et plus on gagne. Mais arrive un maximum, puis après ça redescend. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, ce signal se positionne un petit peu sur des petits points extrêmes, mais au bout du compte, le marché est très volatile, et si on ne prend pas son profit, grosso modo, on risque de le reperdre. Alors ici, on voit que à 10, on gagne dans les 5000, mais on pourrait même gagner plus si on se mettait sur 6-7. Bon, je vous laisse faire un peu ce travail un peu d'ajustement. Notez la simplicité du système. Un stop fixe, un objectif, le flat de fin de journée au cas où on a une position encore en fin de journée. Mais normalement, on n'a plus de position en fin de journée parce qu'avec 10 périodes et un chart de 4 minutes, 10 fois 4, ça fait 40 minutes. Donc au maximum, on reste en position 40 minutes. On est limité à 12h59 à 13h. Donc si maintenant, à 13h, on prend encore une position, elle va durer jusqu'à 13h40. Donc en réalité, le filtre flat, on n'en a même pas besoin. Mais je le laisse parce que si vous voulez jouer avec, faut être amené à. Alors, les réglages d'analyse sensitive, on peut les faire au niveau de chaque stop, chaque profit, etc. Ce qu'on peut faire, alors faisons-le pour un. Par exemple, en termes d'objectifs, là, il y a 30. On peut le faire varier entre 0 et 100. On va mettre, alors 100, 100, 100, ça fait 100, ça fait 10 points pour un. Non, 100, ça fait 50 points pour un CAC, ça fait 1%. C'est trop grand, on va mettre à 30, on va mettre. On est déjà sur 30. Ah, ok. Bah, on va quand même mettre. Allez, on va mettre 60. On se positionne. Sensibilité du paramètre. Voilà. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que, grosso modo, allez, on est sur 30. On est dans cette cuvette. Si on réduit un peu, ça monte. Mais ça ne monte pas beaucoup. On est à 5006. Ça, c'est 6009. Ok, c'est quand même 1000 en plus. Mais 1300 en plus, mais bon, ici, si on augmente un peu, ça augmente un petit peu. Donc voilà, on est bien. Vous voyez, le réglage par défaut est pas mal. Après, ce qu'on peut faire, c'est on peut étudier, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On est en début de journée, on perd. Vous voyez, ici, on rentre en position, on perd. Par contre, ici, on rentre en position. Et en fait, si on restait ici, dans cette position, pour pratiquement toute la journée, on pourrait pratiquement garder la position jusqu'à vous voyez, jusqu'à 18h. Ouais. Ce sont des beaux signaux de rebond comme ça de début de journée ou de la phase matinale du marché. Ici, nous, on a mis un objectif avec ce time stop. Donc, pour bien voir l'intérêt comme ça du time stop, ouais, si je me positionne là et je dis par exemple que j'augmente le time stop. Donc nous, avec la souris sur la nano, on bouge la souris avec la molette et puis on voit immédiatement l'impact. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se produit? Eh ben bon, on gagne. Sur ce cas de figure, on gagne plus. Hein, quand on repousse un petit peu le résultat. Mais le résultat total, lui, il a plutôt tendance à faiblir. Donc au bout du compte, si on affiche un peu toute notre courbe, c'est quand même mieux d'être vers 10, quoi. Oui. Et on peut bien sûr augmenter un peu plus. 5, 5 minutes. Ouais, c'est pas mal aussi. Vous voyez, cette histoire de scalping,
On serait tenté d'aller sur du très petit, mais le très petit, c'est beaucoup de trades. Beaucoup de trades, c'est difficile d'avoir que des bons trades avec beaucoup de trades. Donc, voyons un peu ce que ça donne sur, par exemple, du 10 minutes. J'ai tapé 10 minutes. Ah, 10 minutes, tout est détruit. Tout est détruit. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui, sur 5 minutes, est encore très acceptable. Et sur 4 minutes, sur 4 minutes, c'est pas mal, etc. Il faut un peu chercher, quoi. Alors, je dirais, la description un peu de la stratégie, elle s'arrête là. L'approche, elle est bien sûr applicable sur tout, hein. Je ne dis pas que ça marche sur tout, il faut chercher. Mais le type d'approche avec les signaux de self-invest, c'est exactement ce type de philosophie que vous pouvez adopter. Vous essayez ici de vous dire qu'est-ce qui est une période très volatile dans le marché, selon mon expérience personnelle. Bah, clairement, le matin européen pour tout ce qui est un petit peu européen. Ok, ben, allons travailler un peu dans cette zone horaire. Et maintenant, je lance mon hameçon. Je lance mon hameçon. Et grosso modo, je fais confiance à mon hameçon et je me lance. Voyez, je me lance. Après, c'est une question de. Vous voyez, ici, on a finalement un trade relativement petit. Quand on voit que sur la journée, ça c'est la fin de journée, on a pris quoi, la moitié de ce que la journée pouvait nous donner. D'un autre côté, on n'a pas eu à souffrir tout l'après-midi avec les mouvements de haut et de bas. Et bon, le trade est fait, voilà, tac, le truc est plié, 13 h, on déjeune et puis l'après-midi, on va se promener, quoi. Regardez le beau signal aussi ici. Donc, je trouve ça relativement convaincant pour vous dire la vérité. Je le trade moi-même sur le N25 en CFD avec des résultats qui sont acceptables. Donc, depuis juste quelques semaines, en fait. Et j'utilise cette approche. Alors, revenons un petit peu maintenant à la présentation. Donc, le réglage, vous pouvez le voir ici, vous pouvez le deviner, vous pouvez augmenter la résolution, vous verrez bien le réglage, sinon vous pouvez me demander. L'analyse sensitive, je vous l'ai montré. Backtester, je fais un peu de pub là pour la nano full. La nano full, pour une personne qui veut vraiment étudier les choses un petit peu à fond, faire un peu des choses un peu. Du travail un peu statistique comme ça, qui n'est pas très difficile, comme je viens de l'illustrer, il faut la Nano Full. Donc il faut payer l'abonnement de la Nano Full. La Nano, c'est un outil extraordinaire. Rappelez-vous, récompensé par un trophée, par le jugement de 15 000 traders allemands. Il y a, au niveau du backtest, donc l'analyse sensitive, mais il y a aussi un module d'optimisation. Moi, je l'utilise un petit peu moins, mais on peut aussi travailler avec ça. Vous avez. Je dirais un plus grand choix de stop, le stop période high-low par exemple. On n'a qu'à une fois le mettre juste comme ça pour s'amuser, quoi. Je ne sais pas ce que ça donne. Je retire le fixed stop ou je laisse le fixed stop et je mets le période high-low. Voilà. Et on regarde ce que ça donne en termes de performance. Donc période high-low, il y a un phénomène de. Vous voyez, quand on regarde un peu ce qui se passe ici. Il y a un phénomène de le plus bas, prix bas des 10 dernières bougies. Si maintenant je vais là et je cherche un peu, par exemple, c'est quoi le meilleur quand on est long, sensibilité du paramètre. Bon, lui il me dit c'est quand même mieux d'avoir un peu plus. Je vais mettre un peu plus. Alors il faut essayer toujours d'analyser ce que ça veut dire, ce que l'on fait. Donc ici. Voilà. Ici, bon, clairement, on a le time stop. Donc, le fait d'augmenter le stop, au bout d'un moment, ça ne sert à rien, parce que le time stop nous sort. Mais grosso modo, c'est plus intéressant de le garder relativement éloigné. Pourquoi? Ben, probablement parce qu'on attrape des fois des rebonds de début de journée qui durent toute la journée, et probablement que la machine nous dit que si vous gardez le stop plus éloigné, vous arrivez à capturer beaucoup plus. Mais ça, c'est à découvrir soi-même. Donc, je vous laisse le découvrir. Mais période high-low, c'est clairement un très très bon stop. Alors, le côté automatique,
Alors, revenons juste aux données historiques. Donc, sachez la chose suivante. Avec la migration du mois de janvier, les serveurs qui nourrissent la nano sont différents que ceux qui étaient en place avant la migration. Alors, avant la migration, on avait tout l'accès à une base de données très riche pour la Prostation, la plateforme, l'ancienne plateforme. Et nous travaillons en fait sérieusement, mais on dépend beaucoup de notre fournisseur, Gain Capital, qui doit nous mettre en place en fait un système qui nous permet de vous offrir la même quantité d'historique qu'on avait précédemment. Donc, ils ont conçu depuis le mois de janvier maintenant un système informatique pour cela. La seule chose, c'est qu'il ne marche pas encore. Donc, je dirais, je suis très optimiste. Maintenant, je ne suis pas capable de donner une date. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 6 semaines? Est-ce que c'est au mois de septembre? Ou est-ce que c'est dans 2 semaines? J'en sais rien. On les chasse, on leur met la pression. Mais tôt ou tard, on aura de nouveau accès à beaucoup plus d'historique. Et alors, du coup, ce qu'on a à l'heure actuelle, ce phénomène un petit peu, ce système de paquets de données historiques que l'on peut acheter dans le store, et qui pour le moment, j'avoue, n'a pas été mis à jour depuis le mois de février. Dans ce cas-là, on continuera de faire ça. Donc, vous aurez alors accès à un historique relativement sympa pour, je dirais, en 1 minute, peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de jours. Mais quand vous voudrez accéder à plus d'historique pour faire des backtests comme moi, je l'ai fait sur 500 jours ou 1000 jours, vous aurez en fait toujours ces paquets qui existent, mais qui, au jour d'aujourd'hui, durent 7 ans au maximum, mais s'arrêtent au mois de février dernier, quoi. D'accord? D'un autre côté, nos clients qui ont les comptes futurs, ils ont de toute façon accès à, je dirais, 40, pas 40 euros, mais 10 ans d'historique d'une minute, ce qui est extrêmement utile quand on veut faire du travail de backtest. Alors, trading en automatique, grosso modo, on a notre écran, on doit juste se mettre en position auto-order, mais pour cela, il faut quand même la nano full. On ne peut pas faire avec la nano free. Le VPS, je continue de faire. Fin septembre, ça fera 2 ans que je fais du trading automatique. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sur le range breakout, mais je suis sur le trend line break. Les résultats sont toujours bons. Donc, je vous encourage, essayez. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est inaccessible. Et c'est relativement simple. Les systèmes sont relativement simple. C'est exactement dans le goût le genre de choses que je vous ai montré ce soir. Et ça fonctionne toujours bien. Je suis toujours moi très satisfait du VPS. Et je vous encourage à essayer peut-être, hein. Et pour le reste, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait une page un petit peu riche ici, mais grosso modo, je voulais rappeler. Nous avons une plateforme très puissante. Ça nous distingue de nos concurrents. Elle s'appelle NanoTrader. On a vu dans la présentation sa valeur. On utilise cette plateforme, scalping, day trading, swing trading. Tout ce qu'on peut faire comme travail de backtest sur du 1 minute 10, 15, la journée, tout ça est accès. On va dire, on peut couvrir toutes ces formes de trading avec nos outils de backtest, nos outils de trading automatique, nos. Alors, pour les clients, nous avons développé en fait des outils que vous pouvez utiliser. Il y a ces stratégies dont il y en a, je crois, une ou deux en plus depuis la semaine dernière. Il y a des signaux. Les signaux, c'est très très puissant. Il faut voir l'exemple que je vous ai montré. Un signal, un time stop, un stop normal, un objectif, et on a un signal, un système de trading de très bonne qualité déjà. Donc, il faut, à mon avis, un petit peu vous intéresser à ça et essayer. Parce que moi, je trade en automatique sur la base exactement de ce genre de signal. En l'occurrence, le trend line break. J'ai d'autres systèmes de trading automatique en ce moment sur multi-candle et sur justement range breakout. Nous délivrons des bonnes formations pratiques comme ce soir. Elles sont enregistrées. Elles sont déposées sur notre site YouTube France, donc vous pouvez les retrouver là. Bien entendu, elles font appel à nos outils. Vous pouvez aussi développer vos propres outils si vous savez programmer. Et on va dire le training automatique est
super efficace, super puissant d'un point de vue de technologie. Franchement, nous donnons beaucoup de valeur et c'est cette valeur que ces fameux traders allemands ont reconnue en nous donnant le trophée de meilleur contenu éducatif, vous voyez, meilleure plateforme de trading et meilleur service. Donc, pour ce qui concerne les conditions, je vous laisse regarder. Si vous êtes intéressé, vous avez qu'à nous contacter, nous demander une offre. Et si vous ouvrez un compte, donc avant le 31-7, on vous envoie un livre. Mais il faut quand même m'envoyer un petit mail, comme ça je le sais, comme ça je vous envoie le livre, le beau livre d'Éric Lefort. Alors, j'ai terminé la présentation, je vais répondre aux questions. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement.